Ils étaient annoncés et ils sont là. C'est une liesse qui les a accueillis dans cette majestique salle de Cotonou. Le couple Soglo tenait à cette rencontre avec ses militants pour redéfinir les bases vu la crise dans laquelle végète la renaissance du Bénin depuis quelques jours. Le champ lexical des discours qui se sont succédés est demeuré le même du représentant du Fonds pour le Succès Patriotique à celui de l'Union sociale libérale en passant par le Parti communiste du Bénin et restaurer l'espoir, le soutien est sans doute. C'est ce soutien que je suis venu apporter ici, le soutien d'un combattant. Ma présence est un message. Et le message des leaders charismatiques de la RB à leurs militants se veut être aussi clair. C'est vous qui m'avez, pendant toutes ces périodes-là, c'est avec vous qu'on a sillonné tout le Bénin, j'ai dit bien tout le Bénin du nord au sud. Nous avons visité Tchoumi-Tchoumi, on a visité tout le pays. Les gens étaient, comment, des femmes, pourquoi faire? Nous asseyons par terre, on mangeait avec les gens. C'est comme ça que nous avons eu la renaissance du Bénin. Et aujourd'hui, la marque est si belle que tout le monde veut la prendre. Et bien, je ne crois pas, chers militants, que vous accepterez ça. Ils ne comptent pas se laisser arracher la renaissance du Bénin. Et leur détermination est sans embâge. La renaissance du Bénin est une et indivisible. La sagesse recommande que lorsque vous avez eu la possibilité de jouir de façon paisible et tranquille d'une maison qui vous a accordé l'asile, il est totalement indécent de se lever et de partir avec les clés qui donnent l'accès à cette maison en prétextant d'un droit de propriété sur l'immeuble au détriment des légitimes bâtisseurs encore présents dans la maison. Les vrais militants sont invités à continuer la lutte dans la sérénité. Restons sereins, car Dieu existe. Dieu est vérité. Dieu est justice. Et qui tue par l'épée, périra par l'épée. Cette sortie médiatique du couple Soglo relance ainsi les activités du parti La Renaissance du Bénin qui compte remobiliser la troupe pour les prochaines joutes électorales.